On ne joue plus maintenant le zanzi. Eh nini, c'est fini. La manie, les cartes et le bésigue, ça n'est plus pour mes zigues. À la gare et même au bout du quai, le piquet, le jaquet, ces trucs-là sont cuits, ont reçu un coup de billet. À leur place aujourd'hui, on fait une petite balotte et puis ça va. Tout le reste, c'est de la gnognotte à côté de ça. Quant au café, je suppose, pour régler de capichy, l'encre, c'est moi qui arrose et que l'autre dit, laissez, cher ami. On fait une petite volotte et puis ça va. Pour être un type dans la note, faut jouer à ça. Quand les gens du monde s'invitent, au lieu de mettre on brisera, sur les cartes de visite, on met on volotera. Jadis les querelles entre poteaux se réglaient au couteau. Ces messieurs vilaient en cinq minutes sur la butte leur dispute. Sur les deux, il y en avait toujours un qui restait sur le terrain. Aujourd'hui, quand on a une discussion pour savoir qui a raison, on fait une petite volotte et puis ça va. On belote et rebelote à tour de bras. Quand on se dispute une rombière, au lieu de verser du sang, c'est un truc bien plus pépère, plus intéressant de la faire en 700. C'est démolir la bouillotte, c'est rien d'allot. Tandis qu'une petite volotte, c'est rigolo. Comme font les gens les plus smart, quand ils se sont injuriés, on échange aussi des cartes. Et le coup est régulier.